Bonjour. Bon, là, il est 2h30 d'après-midi. On est mercredi. J'arrive du bois. Je suis allée voir mon chum. Puis, j'ai pas vlogué parce que, dans le fond, il y avait beaucoup de monde. Fait que, oups, les cartouches. Il y en a qui sont venus à la chasse. Au canard. Ouais, j'ai pas vlogué parce que, dans le fond, il y avait beaucoup de monde. Puis, ça me tentait pas... J'étais comme gênée un peu. Fait que là, aussi, je voulais rectifier. Dans le fond, hier, quand je vous ai raconté ma dépression, les événements, tout ça, faut que je vous dise que je voulais vous rectifier ça. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mon beau-père, je parlais avec mon chum, puis là, il m'a dit, oups, tu t'es trompé. Il dit, c'est pas tout à fait ça, il dit, ce qui est arrivé. Fait que là, c'est vrai que dans ce temps-là, mettons que j'en ai perdu des bouts, j'étais comme pas là, puis... Je ne suis pas donné à y repenser comme il faut. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mon beau-père est décédé en juin 2011. Ensuite, notre copain, notre ami, est décédé, lui, en février 2012. Puis mon père, lui, ben, en juin 2012. Fait que ça m'a fait 3 deuils dans 6 mois. 3 deuils d'affilée. Je voulais rectifier parce que je trouvais ça important de vous le dire. Puis même ceux qui me connaissent, puis qui connaissent ceux dont je parle, vont dire, voyons, elle est donc bien mêlée, un coudon. Fait que là, c'est ça, je voulais rectifier ça. Puis, c'est ça. On entend une corneille. Je trouvais ça important de vous le dire. Puis aussi, ce que j'ai oublié de vous dire dans ce temps-là, c'est que j'ai perdu... Je mangeais plus non plus, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai perdu au moins... facilement entre 10 et 15 livres. Ouais, je mangeais plus non plus. Là, je mange. Je vois des canards là-bas. Je vais essayer de les rapprocher pour vous le montrer. Je ne suis pas capable. Prendre un peu. On prête en place. Ah, on les voit. Ouais. Fait que... c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais rectifier ça. Fait que là mon ordi, vers hier, j'ai réussi à mettre mon vidéo en ligne. Mais il va pas encore très bien. De vendredi, mon chum, dans le fond, il arrive jeudi. Fait que je vais l'envoyer porter chez un technicien. Il va me le réparer. Ben, réparer, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais en tout cas, et faire une bonne maintenance puis le nettoyer comme il faut, ça fera pas de tort. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais revlogger ni faire de vidéo, c'est embêtant. Je travaille encore, je pense travailler encore toute la fin de semaine. Puis là, mon chum, on se verra quasiment plus encore, parce que dans le fond, lui, ses congés sont jeudi, vendredi, sont vendredi, samedi, dimanche. Puis moi, mes congés, comme ces parties-là, sont revenus encore le mardi puis le mercredi. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais vous remettre une vidéo en ligne. Mais si j'ai du nouveau, c'est sûr que je vous fais savoir. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis merci encore aux nouveaux abonnés. Je m'étais rendue à 105. Ça monte lentement, mais en tout cas, ça monte. Puis aussi, pour ceux qui ne savent pas comment faire pour s'abonner, ben, c'est pas compliqué. Vous cliquez en haut à droite. C'est marqué s'abonner en rouge, vous cliquez là-dessus. Puis vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. Je mets des stories, des photos régulièrement. Vous avez juste à taper Deschaine Martine au lieu de Martine Deschaine. Puis vous allez tout voir ce que je publie. Fait que je vous dis un gros bye-bye. Puis je vous aime. J'ai oublié de vous dire que j'ai vu un ours en revenant de voir mon chum. Il était carré dans le chemin. Puis à un moment donné, là, j'ai été obligée d'arrêter la voiture parce qu'il ne voulait pas se tasser. Puis j'avais comme peur de peser sur le klaxon, sur le criard. Fait que là, finalement, ben, je voulais avoir le temps de le poser. Fait que là, ben, finalement, ben, il a pris le bois. Puis j'ai pu m'en venir. Mais hey, c'était impressionnant, il était vraiment gros, là. Fait que je vous laisse là-dessus. Bye bye. Garde. Si vous voyez...